Salut tout le monde, c'est Camille pour un nouvel épisode, je ne sais pas combien, de Assassin's Creed Unity. Vous, vous le savez par contre, si je me suis pas planté dans les chiffres, hein, comme d'hab ça m'arrive souvent. Oui, vous le savez. Tiens, cadavre là devant. Non. Ok, donc là, on va se remettre full life. On a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 ennemis PV. Je sais pas comment ça se compte, mais 11 ennemis à peu près. Mission compagnon. Il y a un coffre. Un remède? Le monomaniaque du remède. Quelle surprise de te trouver ici. Les parleurs sont attendus qu'à faire. On doit les profiter hier soir. C'est fini. Je vous le dirai plus. Ça suffit. Allez, allez. Donne-moi la cire. Super. Quoi? Bombe. Charbon, génial. Ok, 16 francs, de la bombe. Ouais, vraiment rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Donc là, nous avons un casque légendaire, un masque légendaire. Nous avons du légendaire en pantalon. On est trop pauvre pour avoir plus. Votre coffre est plein. Ouais, ok. Revenu du café-théâtre avant de l'avoir vidé. Ah, on va essayer de passer voir par là. Passer avant, tourner avant. On était presque au bout, mais est-ce qu'il y a une entrée par ici? Ouh, j'ai fait entrer dans les gardes, ça faillit être chiant. Ça y est, fermez-la, Osef. Où tu vas? Moi aussi, je veux jouer. Bah moi aussi, je connais un bon jeu. Ça veut dire, approche-toi de moi et tu meurs. C'est le jeu. Sérieux, bon en fait, ouais. C'est con, j'aurais fait le tour, ça aurait été bon. Élise. L'exécution. Germain assiste à l'exécution de Louis XVI, quelque part sur les gradins. Récompense 2, d'accord. Ils sont en train d'amener le roi. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour séparons-nous. On couvrira davantage de terrain. Allez. Amenez le condamné. Tiens, on va voir l'exécution de Louis XVI. Créer des opportunités, objet collecté 2, 8 cachettes, 53 gardes, assassiner Germain. Oh yes. C'est discret. Hein. Non mais tais-toi. Là ils sont gentils. Faut trouver Germain, on va aller par là-bas. D'accord, on va faire le tour. En étant un peu plus large. Encore un mot, et ce sera le dernier. Réglez ça très vite. Oui, pardon, pardon, j'ai vite arrivé. Que fais-je?
Il y a trop de monde, ça va être trop dur. Hein. Oh la vache. Ah ouais, ben non, mais dès qu'on se fait griller, c'est mort. Ouah, cette violence. Putain. Ah la vache. Moi, je suis bien embêté, là, du coup, pour comment passer. Donc, si on fait le tour par derrière... Voilà. Donc là, je retiens. Il y a deux tireurs à éliminer. C'est trop chiant, par contre. Deux là. Ah oh, pardon, j'étais en train d'éternuer, j'y voyais rien. Forcément, éternuer les yeux ouverts, c'est dur. Hein. Voilà, voilà. Voilà, là, là, là. Et plus de remèdes. Oh, j'aime quand tu me dis ça. Ok. Remède au complet, oui. Donc là, on a foutu un gros jbeul. Allez, un tireur. Donc là, 56 mètres, ouais, c'est vraiment l'épicentre. Parfait. Donc là, il faudrait une tour. On va passer par là. Donc j'arrive, je sais même pas ce qu'il faut faire en fait depuis tout à l'heure. Là, faut localiser, mais... Ah merde, je les désactive aussitôt. Bah, eh ben non. Il y a un... Ah là. Ici, trouvé. Hop. On va laisser passer les gardes là. Ça passe, ça passe, ça passe, c'est passé. À l'échelle est là, merde. Oh putain, j'ai eu un peu peur. Et le deuxième tireur. On est bien là. Bon, on va le fouiller, hein, on est là-haut. Ok, maintenant faut que j'aille ici. Descends, descends, descends. C'est normal, ça va aller, ça se passe bien. Je vais tenter un truc un peu con, mais... Bon bah, même pas eu besoin de les buter. Super. Bonjour Arnaud. Monsieur Germain. Bonjour. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'Ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'Ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous, vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de de la Serre ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Je meurs
innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi n'est rien de plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri de mort. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Te voilà vengé. Je dois prendre congé. Profite de cette journée. Tuez-le. Bon, vas-y. Allez ! Oh putain, tu gères ! Quelle belle entrée en scène ! Qu'est-ce que tu fais ? Rattrape-le ! Je refuse de te laisser mourir. Pour les vrais patriotes, protégez les attaquez ! Ça va, s'ils sont pas nombreux... Ça va, Élise, il faut partir ! M'occupe d'eux ! Ok, bon, je m'en occupe avec toi, parce que là... Élise ! Ouais, vas-y, finis-le, mais dépêche-toi de te tourner. Tourne-toi, bordel! Rattrape Yarma! Passe en toi! Vite, dépêche-toi, on s'éloigne! Élise, ouais, non! J'y vais. Allez, on y va! Je sais pas où est Germain. Pardon! Il est où, Germain? Bah, vas-y, je te suis parce que je sais pas où on va là. J'ai pas vu où il partait. En voilà d'autres. Mais je vais où, moi? J'ai pris la bonne route? Restez près de votre cible. Ah bah oui, d'accord. Il n'en vaut pas la peine. Donc je t'aide. Allez, bouge! Sois raisonnable. Tu ne peux pas en affronter autant. Non, non, t'inquiète, ça gère. Je ne laisserai pas s'en tirer. Élise, non. Riboulade, riboulade. Élise, non. D'accord, j'ai pas compris par contre. Élise est partie sans moi, c'est ça? Pendant qu'on se faisait attaquer, sûrement. Ok, Élise, elle s'occupe que des rouges, pas des autres. Bon, bah tant pis. En voilà d'autres! Rattrape Yarma! Voilà! Il n'en vaut pas la peine! C'est pas toi que je voulais défoncer, mais c'est pas grave. Sois raisonnable! Tu ne peux pas en affronter autant! Va! Je vais les retarder! Merci, madame. Ça fera un imbécile dangereux de moi. Allez, il faudra que je fasse un petit loot ou pas? Élise, non! Bah, je reste avec toi, Élise. Hein. Probablement un informateur avec cette tête de fouille. Alors, est-ce que j'ai le temps juste de fouiller vite? Non, je suis trop loin. On se rapproche. Qu'elle n'approche pas de Germain. Élise, partons, c'est terminé. Fini pour toi. Ok, super, ils se défoncent entre eux. Allez. Bon, ça va, là, ça gère un peu. Il n'en reste que cendre des cambres. Elle est vide. Il a dû partir à pied. Élise! Élise est fou, là. Ah, elle est vide. Je comprenais pas, c'est la carriole, en fait. Il est parti. C'est pas vrai. C'était notre seule chance.
Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons sa trace. Non, c'est fini. Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer, et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Élise. Ah là, on voit quoi? Eh. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, casse-couille, là. Ah. Ok. Alors, est-ce qu'on a exécution de Louis XVI? Alors, on pourra dire qu'on y aura assisté à l'exécution. Mission, on est là, raté. Le TP le plus proche... Il est là. Si j'arrive à le prendre... Voilà, déplacement rapide, oui. Voilà. Alors, pardon, je m'installe, je suis en train de me vautrer. Alors, bon, on n'a pas loin à aller. Tac. Je ne fais pas d'affaires avec toi. Fichez le tour. Alors, faut que j'enlève vite fait le marqueur. Tuer les criminels. Je ne fais pas d'affaires avec des escrocs. Fichez le tour. Tout de suite. Désolé, je suis arrivé un peu tard. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. T'as rien à loot. Ok. Alors, j'étais en train de chercher où fallait aller, moi. Je le voyais pas. Oui, c'est par là. Ok. Ah, c'est en contrebas. Putain, j'ai l'impression que le son est devenu sourd. Est-ce que c'est la Royale qui fait ça ou c'est mes oreilles? Ah! On va aller récupérer un peu de thunes. On a la maison, là. Coffre vert. Merde. Bonjour. Combien on a? Ouais, putain. Rénové. Rez-de-chaussée. Hall. Extérieur. Ah, c'est 15 000. D'accord, on avait juste ça, en fait. On a plus que ça. Merci, c'est très, très agréable. Du coup, qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce que je cherche? Bah, déjà, les revenus. 80 sur 80, ça. 80 francs. Les revenus, c'est tout pérave. Merci, on a gagné 80 francs. Comment on y va en bas? C'est quoi ça? Non, Osef. Ah bah si, par là, tout simplement. Oui, mais easy. J'attendais le chargement, moi. J'étais bloqué devant l'écran. Tout va bien, j'espère. Ok, conseil de... Oh, difficulté 1, j'aime. Bonjour, mon ami. Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez? Est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui. Non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir. Pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil.
Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Non. Maître Bélier. J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar. J'approuve. Arnaud Dorian, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Ouais, bah c'est pas plus mal, c'est tous des cons là-dedans. Avec sa plume sur la tête. C'est violent quand même. Voilà, en fait là, Élise, à cause d'elle, en fait, elle nous a complètement cassé les couilles. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a quitté la confrérie. On est tout seul. Le peuple a faim. Vive la révolution. Le mec, il a jamais vu ça, hein. Facile. On sort. Garceau. Mais quand? Hier soir? Ah, 2 heures plus tôt. Il en a fait quoi du stuff, du coup? Fiche le camp d'ici! Mais... Dehors! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir. Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs. Et on se verra ça pour le prochain épisode. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ouh.